Mbote mingi bandeko balandi ya Afrika Cool Television. Merci pour la confiance obino bopé sabiso pour na ko informa kabino ko la kisabino mayenyo sozo ko le kana République démocratique du Congo. Na mukolo alelo toza awa na Saint-Anne précisément na commune ya Gombe bisika linyango parti cher ya Jean-Pierre Mbemba MLC nde ba yo ko tondo nzambe na 22 ans existence ya parti na bango wana na tiki bino tokota na misa o bango ba organisé pour na koku misa nzambe na ndenge nini yango abateli parti na bango déjà 22 ans banda ba banda tolanda. Na lutte auto sali parce que ce n'est pas donné à tout le monde bisoto viva situation moko difficile banda création à MLC na kino to kabona kana mokonza biso a parti mibuzomi menzamba tiki biso te asungi biso poto lobaka na lona nzambe to kolonga aye akuti parti etelemi parti elingi koloba ba militants structure nyo so ezali tozala ki pe na ba élu tozana ba élu kino sikoyo national sénat assemblée nationale au niveau provincial pe bisika na bisika ba structure nyo so ezali et puis to lingaki ko célébrer ngo na ndenge ya ko festoyer te pombo ke za mabe bande ko na biso MLC ya Beni ya Butembo ya Ituri. Ce qui est fêté, c'est que ba avons une condition difficile. Et si nous avons de cœur, nous avons un fédérateur, c'est-à-dire le sambo, extraordinaire pour la MLC. Bongi toujours toto na nzambe pona yango. To yeki kokumi sankolo pona nyoso sali pote parti oyo. Na ba parti nyoso oyo ebundaka kobanda 2003 ba susu bazali susu te. Mais biso malgré mikakata nyoso tozwi absence ya président na biso ba ku nyoso bazali ko sala po ya za candidat te parti ezali eza kogunda. Sikoyo le tomo la biso ezali ko milengela pote na 2023 maponomi ya solo et salema pour permettre MLC à récupérer à zoabongo bokonzi pote à sale la bokonzi wana lokola toza ba fourmi pote to tonga bongo ekolo yo mission ya MLC ezali ko tonga Congo Congo eza na passe mission MLC ezali ko battre bana Congo o baza bongo na ba passe kuna na est mission MLC ezali bongo Kotem le misankite ya Congo pote Jean-Pierre Bemba na bande konaye bayi babungu osala bulamu bana Congo. Bien, nous souhaitons bon anniversaire au MLC. 22 ans, ça se fête, ça se célèbre. MLC est un très grand parti. Ça fait 22 ans que le président Jean-Pierre Mbemba Gombo avait pris la décision de se battre pour la libération de son pays. Et aujourd'hui, 22 ans après, je pense que MLC sait ce qu'il lui reste à faire, c'est de continuer la lutte pour la libération du Congo. Quand on voit la majorité politico-diabolique qui est au pouvoir aujourd'hui et les conséquences de sa gestion, avec l'insécurité qui bat son plein dans tous les pays, y compris à Kinshasa, et la pauvreté extrême dans laquelle nage notre peuple, le chômage et les incohérences, les frontières poreuses de notre pays actuellement, les MLC n'ont qu'une seule obligation, le seul devoir, c'est d'être aux côtés de ces peuples pour continuer la lutte. Aujourd'hui, au sein de la MOCA, nous avons des grands partis comme le MLC notamment, et au sein de la MOCA, nous avons des grandes ambitions.
les regards du peuple sont tournés vers la MOCA et donc vers les MLC qui est membre de la MOCA. Et en solidarité avec nos frères et sœurs du MLC, nous sommes venus ici. Les MLC, SID, le Nouvel Élan, ADD Congo et les autres, on a l'obligation de redonner de la grandeur, redonner de la grandeur à cette grande nation, telle que rêvée par Lumumba, les premiers combattants pour la libération. Et les combats que Jean-Pierre Bemba Gombo a continué aujourd'hui, c'était le combat que Lumumba a entrepris et c'est le combat que le prince Pengue va continuer également demain. Donc nous souhaitons très bon anniversaire au MLC et le président élu Martin Fayulu a également souhaité un très bon anniversaire à ces grands partis qui luttent pour l'émergence de notre nation. Le MLC a toujours été d'une très grande contribution, c'est de la MOCA, et MLC va continuer. Je vous le dis ici, MLC c'est le mouvement de la libération du Congo. Le Congo n'est pas encore libéré, le MLC va continuer son combat pour libérer le Congo et va continuer ce combat au sein de la MOCA. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la souffrance extrême au nom des peuples, on ne peut qu'avoir un seul réflexe, celui de se battre sur le terrain pour libérer ces peuples. Et MLC, je pense, est prêt et sera toujours prêt au sein de la MOCA à continuer ce combat jusqu'à ce que la volonté du peuple soit respectée. Merci. De la part d'un homme de Dieu, c'est la reconnaissance du combat du MLC, c'est la reconnaissance de l'ancrage du MLC, c'est la reconnaissance de la vision du MLC comme un parti de libération de masse. Et c'est cette vision-là, cette réalité qu'il faut transformer en réalité, comme il a dit, pour que nous puissions demain transformer réellement la vie des Congolais en accédant au pouvoir. Vous savez, en 2003, lorsque nous avons été au pouvoir, nous avons pu contribuer à la restauration de cet État. Et depuis lors, vous avez vu les multiples régressions et il faut se fixer l'objectif de 2023 pour reprendre le pouvoir et constituer une majorité gouvernante pour finalement changer la vie des Congolais. D'abord, tout au départ, le MLC a commencé par une lutte armée. Au grand mot, il faut des grands remèdes. Ensuite, c'est mieux en parti politique. C'était pendant une période très, très, très importante, après le processus de paix. Le MLC a contribué à la réunification du pays, n'est-ce pas? Et le MLC a contribué à la mise en place d'un état de droit en passant par les premières élections plurielles. Et le MLC est resté content dans son idéologie, nonobstant du fait que je vous ai dit, nous avons commencé par une lutte armée et puis nous nous sommes mués en parti politique. L'idéologie est là. La constance est là dans notre vision par rapport à l'état des droits, par rapport à la vision de la gouvernance que nous avons. Vous voyez que le MLC n'est pas le genre du parti changeant. D'abord, la position du MLC dans son ensemble, c'est la réforme. La réforme, nous devons aller améliorant. Nous sommes un pays qui doit continuer à évoluer, à vivre la dynamique. À chaque fois que nous entreprenons quelque chose, nous devons avoir l'habitude de faire le point et de capitaliser ce qu'il y a à capitaliser et de changer en termes de positif de ce qu'il y a à changer. Voilà, par rapport au groupe des 13, mais vous avez suivi, le président s'est exprimé. Maintenant, il n'y en a plus que la question des sons et de l'image. Les tweets ont beaucoup circulé, le président appuie la démarche parce que c'est d'abord une constellation de plusieurs compatriotes des différentes opinions politiques, mais qui se sont convenus à une chose, des réformes dans le sens d'améliorer la gouvernance du pays. Ça me fait un sens de responsabilité. C'est la responsabilité qui s'accroît parce que le MLC n'est plus MLC seul. Nous avons des alliés, nous avons le front pour le respect de la Constitution, nous avons l'Alliance pour l'alternance APA, et puis nous sommes en train d'évoluer ensemble au sein du LAMUCA. Nous donnons notre contribution. Je pense que c'est le sens de la responsabilité. Beaucoup veulent imiter les partis. Ce que j'apprécie, et je rends grâce à Dieu, nous avons toujours dit dans le MLC, avec Dieu nous vaincrons. Le MLC, c'est un parti aujourd'hui qui a son identité propre, nonobstant, n'en déplaise à ceux qui ont voulu. M'attends de mingi, chers abonnés à Africa Cool Télévision, parce que vous allez toujours pour nous connecter dans
chaîne Abiso Africa Cool Télévision, chaîne Bobé Moko Oyela Kabino Bactualité de la République démocratique du Congo. Wana Bouti Kolalo Lengeni Nyango, parti cher ya Jean-Pierre Mbemba, Oyo organisé messe action de grâce pour célébrer 22 ans d'existence. Il y a parti Nabango, vraiment Boyoki ba réaction, ba témoignage, Lengeni Nyango ba traversé, ba moment moko difficile na parti Nabango. Aussi qu'à toujours connecté, branché la chaîne Abiso Africa Cool Télévision. Bon likez, bon aimez ma vidéo Abiso, bon cause à la décider. Là aujourd'hui un grand merci à Moulandi Mounen et Africa Cool Télévision. Clarisse Tibanda, Dodo Kalonji, moi c'est à Pambe. Une union sur Obolanda Abiso partout dans le monde entier. Na Bosani Binote, vous êtes toujours connecté. Nga na bientôt kutani na Mukola Sima. Africa cool, et ben cool, ouais. Africa cool, ouais ben cool, le quoi cool ma topi, ouais cool. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo de la bino maman. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, esa chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Esa très rapide, esa chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, na zo senga na bato oyo nanu ba souscrire bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko za la desuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zana Moana, massivement. Africa Cool. Équipe Mobimba et Africa Cool, bah, félicitations. Et au moins, ma chaîne est impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa Cool Télévision, télévision, ils ont l'anama. Collé Kabanou, nous avons battu dans la catamboga Congo.